Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans. Je suis désolé d'avoir été assez absent les derniers moments, mais j'ai eu des petits trucs IRL en plus du boulot, et en plus de ça, le dernier replay que j'ai voulu récupérer, la mise à jour a fait que je ne pouvais pas les récupérer, c'était trop tard, j'aurais dû les faire avant les replays. Enfin voilà, donc là j'attaque, j'étais le quatrième dans la guerre de clans, et là j'attaque le troisième. Donc deux golems, quelques géants, des archers, des sorciers. Et dans le château de clan, j'ai Pyrox qui m'a donné des sorcières niveau 2. Donc voilà, plutôt pas mal. Alors, petit sort de rage là pour booster tout le monde une fois arrivé dans le cœur du sujet là, avec le château de clan qui arrive, les archers qui tapent. Un petit sort de soin là, il était temps, je l'ai peut-être mis même un peu trop tard je trouve. Les sorciers se partent un peu sur les côtés là, c'est un peu dommage. Mais bon, il y a quand même quelques-uns qui ont suivi au milieu, plus les sorcières. Voilà, j'ai ma reine niveau 5, donc ça fait vraiment plaisir. Là sur les côtés ça commence à être un peu plus calme, hein, et mes unités sont défoncées, il n'y a plus de golems ou de géants pour les sauver sur les côtés là. Il y a toujours les petits squelettes de la sorcière mais c'est tout. Donc là ça y est, j'ai eu l'HDV, j'ai fait les 50%. C'était vraiment ce que je voulais. De toute façon 3 étoiles sur un vis-à-vis HDV9, quand on a des jeunes unités en HDV9, c'est compliqué. Là j'ai que les golems niveau 2, j'ai rien de, voilà, de vraiment spécial. Pour pouvoir vraiment faire un 100% sur un HDV9, ce sera très compliqué, à part que vraiment si les défenses sont pas maxées HDV8 quoi. Si c'est des défenses en dessous HDV8, ça peut se gérer. Donc voilà, alors après un petit peu x2 parce que bon, c'était fini, il n'y avait plus rien, plus d'unité. Mais quand même un 76% qui est plutôt correct, donc ça va même finir à 80% d'ailleurs en fait. Voilà, 77, le sorcier à gauche qui continue à taper un petit peu, l'archer qui prend son temps mais qui tape aussi. Et voilà, donc là je crois que j'aurais quitté après ça, non même pas, je vais laisser jusqu'au bout. L'archer tapé, non, ok. Voilà, donc 80% sur le troisième alors que j'étais quatrième, donc j'étais vraiment plutôt content de moi pour une de mes premières attaques en golem, en go oui quoi, hein, avec deux sorcières du coup que je répète, c'est Pyrox qui m'a donné des sorcières niveau 2, moi je viens tout juste de les avoir, donc je vais pouvoir les améliorer que plus tard. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer l'attaque sur mon vis-à-vis du coup, qui était en fait, vous allez voir, plus serré que celle-là, que celle que je viens de faire sur le mec au-dessus. En fait, mon vis-à-vis, donc voilà, c'était celui-là. Pas la même construction de village tout à fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais attaquer par le haut, pour gérer le château de clan assez rapidement, et puis essayer de taper l'HDV, de toute façon, voilà, au plus vite, quoi. Donc j'ai balancé un petit peu tout en haut, là-haut. J'attends que les mecs soient prêts à finir les défenses, les golems, tout ça. J'envoie les casseurs, hop. J'en renvoie d'autres parce qu'en fait c'est très compliqué de casser les murs centraux, ça va sur les côtés, c'est un peu pénible. Voilà, donc j'ai les géants qui font le tour avec les golems. Là il y a les sorciers qui m'ont défoncé mon roi. Mon roi, voilà, les sorciers du château de clan m'ont clairement défoncé. Là j'ai commencé à pas paniquer mais à avoir un petit peu peur quand même de la suite des événements. Heureusement mes derniers casseurs ont rouvert la porte aux golems. Donc, et aux géants, donc du coup ça va permettre de, voilà, de passer ici à droite. Donc là les archers commencent vraiment à taper, mes golems sont bien entamés, voire morts, là c'est des petits golems maintenant, voilà. J'étais à 49%, hop j'arrive à avoir l'HDV tout juste. Donc voilà, il me reste plus de golems, donc là si le petit golem vivant, quelques sorciers m'arènent. Mais voilà, donc encore un 2 étoiles, j'étais vraiment content. Encore une fois, c'est une de mes premières attaques en go, oui, et ça se passe plutôt bien. 2 étoiles, c'est plutôt bien pour un haut de tableau. Voilà, donc je suis désolé d'avoir fait très peu de vidéos ces temps-ci, et je vais essayer de me rattraper sur les prochaines guerres. Je vous montrerai sûrement un full ballon gargouille avec mon petit compte, et encore des go oui sûrement avec ce compte là. Voilà, du coup je vous laisse et je vous dis juste que encore une fois, si vous voulez rejoindre le clan école, n'hésitez pas, c'est les Little Stinkies. Et puis il n'y a pas de niveau nécessaire pour entrer, voilà, c'est bienvenue à tout le monde. Donc je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos, et puis d'ici là, ben clashez-vous bien. Allez, salut tout le monde.